matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Voici la bande à Mozart. Excusez-moi, professeur Solfa? Oh, je suis désolé, je ne pensais pas que vous étiez déjà là. J'écoutais un morceau de Mozart qui s'appelle La plaisanterie musicale. Vous connaissez peut-être. Il l'avait écrite pour se moquer des mauvais compositeurs qui se croyaient doués. C'est bourré d'erreurs délibérées. Pas un compositeur digne de ce nom ne ferait de telles répétitions ou de changements de rythme aussi rapides et des finales qui n'en sont pas. Ça me rappelle le temps où ce morceau avait du succès auprès de la bande à Mozart. C'est à peu près à cette époque que le groupe se trouva confronté à une bande de criminels sans scrupules. Tout a commencé quand Gina se transforma en babysitter. Hey ah, ouais. Nouvelle manière de jouer des maracas. Chut. Qu'est-ce qui se passe là derrière? C'est pas possible. Il est super ce bébé. Salut mon mignon. Il est de la famille? Oui, c'est mon neveu. Ma sœur et son mari ont un rendez-vous, alors ils m'ont demandé de le garder. Tu vas l'emmener en classe avec toi? Il le faut, sinon je rate l'examen si je manque un autre cours. C'est ce qu'a dit le professeur Solfa. Est-ce que tu penses que ça l'embêterait si je l'emmenais avec moi en classe? Oh, je ne crois pas, le prof est assez chouette d'habitude. Hé, hey, fais voir tes maracas. T'es sûr que le professeur Solfa ne m'en voudra pas si je l'emmène avec moi? Je te l'ai dit, le professeur est assez chouette. Hé, hey, salut les gars, quoi de neuf? Qu'est-ce que c'est que ça, Gina? Oh, le bambin. Ah, oh. Oh, il est adorable. Wow, oh, il est oh, mignon. Il est mignon. Maintenant, vous savez tous que ces sept notes sont en do majeur. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Je ne pense pas avoir demandé à quiconque de battre la mesure. Qui fait ce bruit? Alors, j'écoute. Je veux le nom du coupable. C'est moi, professeur Solfa. Bon, est-ce que tu pourrais te calmer un peu? Excusez-moi, je suis un peu nerveux. Je vois, viens donc par ici. Pourrais-tu dire à tes petits camarades pourquoi tu es si nerveux? Enfin, ce vacarme insupportable a cessé. À présent, écoute bien, Mozart. Je te donne une note et tu l'abaisses d'un demi-ton, c'est-à-dire un bémol. Commence par do. Très bien, Mozart, on passe à une autre note. La même chose avec si. Oh.
Et surtout, ne reviens pas ici avant qu'il dorme profondément. Vous savez qu'il est très mignon quand il est calme. Oui, quand il est calme, mais j'arrive pas à le faire dormir. Qu'est-ce qu'on fait? On va tenir une réunion de parents d'élèves? Ou alors on va faire une répétition? Vous ne croyez pas qu'on devrait attendre Verdi? En ce moment, il travaille à la pizzeria de son père. Je pense qu'on devrait commencer sans lui. D'accord. Hé, pourquoi tu n'entres pas, Gina? Je veux que tu entendes la plaisanterie musicale. C'est un de mes morceaux de Mozart préférés. Je pense qu'on remettra ça à plus tard. Le bébé risque de vous gêner pendant le travail. Oh, ne sois pas stupide, ce bout de chou ne nous embêtera pas. Et nous, on ne fera pas tant d'histoires que le professeur Solfa. Entre. Un morceau très difficile à jouer et en plus c'est très amusant. Vous allez vite comprendre. Est-ce que tu es prêt à m'accompagner, Beethoven? Et un et deux et un, deux. Oh, voyons, Beethoven, tu ne peux pas cesser de manger un jour. T'as pas entendu? Nous allons interpréter la plaisanterie musicale de Mozart. Il dit que s'il faut qu'il joue l'estomac vide, cette plaisanterie n'est pas drôle. Je sais ce qu'il veut dire, c'est pas la première fois. À mon avis, il se répète. Mais comment est-ce qu'il peut dire qu'il a l'estomac vide? C'est le troisième sandwich depuis ce matin. Mon estomac se vide plus vite que les autres. Oh, est-ce qu'il est assez plein maintenant? Ah oui, ça devrait aller, je pense. C'est parfait. Tu penses que tu arriveras à jouer le morceau avant de tomber complètement d'inanition? Je devrais bien tenir le coup. Alors, on y va, la plaisanterie musicale de Mozart. Un et deux et un, deux, trois. Oh! Oh non! Dehors! Et ne reviens pas avant que ce bébé soit endormi! Je suis désolée. Attends, Gina, je viens avec toi! Oh. Alors maintenant, est-ce qu'on peut jouer la plaisanterie musicale de Mozart? On dirait qu'il n'a pas envie de dormir. Hé, hey, Gina, Anna, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'ils ont commencé à répéter? Oh, si vous saviez ce qui m'est arrivé, c'est vraiment incroyable, j'en reviens pas. Et pourtant, j'ai vu toute la scène. Et dépêchez-vous, suivez-moi. Si j'étais toi, j'entrerais pas. Mozart est en train de répéter le morceau auquel il tient. Hé, hey, les gars, hé, hey, attendez que je vous raconte un peu ce qui m'est arrivé. Ah, tes souhaits, Mozart. Enfin, voilà. J'étais à la pizzeria de mon père en train d'essuyer des verres quand j'ai aperçu deux types qui avaient l'air louches. J'en ai rien à faire que t'aies vu des affreux Jojo. Hé, hey, attends, je t'assure qu'ils étaient vraiment très bizarres, ces deux-là. On aurait dit des braqueurs de banque. Hé, hey, arrête, laisse-le parler, je veux connaître la fin de l'histoire. Bon, d'après toi, ces types avaient l'allure de deux voleurs. Et même en se forçant, ils pouvaient pas ressembler plus à des truands. Ouais, d'accord, alors dis-moi, à quoi est-ce que ça ressemble, un truand, hein? Ils portaient des chapeaux, leur col d'imperméable était relevé pour que leur visage soit dissimulé. Ils arrêtaient pas de regarder autour d'eux pour manger, ils étaient penchés sur la table et ils ont tout avalé très rapidement. C'est quand même pas suspect d'avoir bon appétit. Mais ils appréciaient pas ce qu'ils mangeaient. Ils engloutissaient ça comme s'ils pensaient à autre chose. Et pendant ce temps-là, ils paraissaient préoccupés. Après avoir fini leur repas, ils ont pris leurs étuis à violon et ils ont filé en vitesse. Des étuis à violon. Oui, c'est louche, hein. On aurait dit des gangsters de Chicago. Mais nous, on a bien des étuis à violon et personne ne nous trouve suspects. Ces deux types sont aussi innocents que des chats devant un bocal de poisson rouge. Alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai laissé tomber la corvée des verres et je les ai suivis. J'avais envie de savoir ce qu'ils mijotaient. Essai. Un, deux, un, deux. Malbrook s'en va en guerre. Un, deux. Pourquoi vous installez des haut-parleurs, s'il vous plaît, monsieur? Il pleut, berger. Excusez-moi, les haut-parleurs, c'est pour quoi faire? Pour un concert au kiosque à musique qui sera retransmis dans une heure environ à travers toute la ville. De la musique dans toute la ville, c'est super! Un, deux.
Bon, ça suffit. Arrête, arrête, ça marche. Pas besoin d'hurler aussi fort, mon vieux. Moi, je vais t'en coller du 1-2. Ouais, qui c'est? Abscully, Mabscully, c'est bon. Qu'est-ce que t'as fait ensuite? J'ai réussi à entendre le mot de passe, alors j'ai décidé d'entrer pour essayer de savoir ce qu'il complotait. Je ne vois toujours pas ce qu'il y a douche là-dedans. Ouais, qui c'est? Obscully, Mobscully. C'est bon. Aussitôt entré, j'ai su que je me trouvais dans la planque d'une bande d'affreux criminels. Oh, arrête! Comment t'aurais pu deviner que ces types étaient dangereux? Ça pouvait être n'importe qui. Et t'as pas vu ce qu'ils étaient en train de faire? Tenez, voilà ce qu'il faudra faire à tous ceux qui seront encore éveillés. Ils s'entraînaient à assommer des gens en tapant sur une rangée de mannequins. Allô, les services d'urgence? Voulez-vous appeler la police et tout le tremblement? Il y a un incendie terrible qui s'est déclenché à la mairie. Les flammes font au moins 3 mètres de haut. Ah, ils deviennent dingues. J'ai dit qu'une vague déferlante arrivait sur la ville, qu'un train express avait déraillé et que dans les rues, c'était l'émeute. Dans l'entrepôt, il y avait des tas de boîtes et elles étaient remplies de boules qui est. Il n'y a rien d'étrange là-dedans. Je suis sûre qu'il y a même une explication logique. Moi, je continue de penser que c'est pas normal. Et j'ai vu des partitions de musique sur une chaise. Alors j'en ai pris quelques-unes pour essayer d'en savoir un peu plus. Je parie que cette mélodie a un rapport avec leur trafic. Tenez, v'là les feuillets. Oh, la musique, oh, les feuillets. Et passe-les, mon petit. Voyons un peu à quoi ressemble cette musique. On va essayer de la jouer. Tiens, voilà ton feuillet, le tien et le tien. À première vue, ça n'a pas l'air très difficile. C'est assez monotone, je dirais même ennuyeux. Allez les gars, vous êtes prêts? On va essayer de mettre de la vie là-dedans. Laisse-moi tranquille, Pimples. Je vais dormir encore un peu. Le réveil n'a même pas sonné. Hé, hola, mais qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous! Tout le monde, allez! Debout! Oui, je suis déjà debout, maman. Allez! Réveillez-vous! Allez, allez, debout! Mais qu'est-ce qui vous a pris, les gars? Oui, je descends. Le petit déjeuner est prêt, au moins. Réveille-toi, Beethoven! Maintenant, je sais ce que les malfrats ont comploté. Vite, les gars, debout! Que s'est-il passé? Écoutez, les truands vont se servir de cette musique, j'en suis sûre. Ils vont la jouer et la retransmettre par les haut-parleurs. Comme ça, tout le monde va tomber de sommeil et après, ils vont pouvoir commettre tous les forfaits qu'ils voudront. Oui, et ils s'entraînaient sur des mannequins pour assommer tous ceux que la musique n'arrivera pas à endormir du premier coup. Et s'ils ont prévu les boules qui est, c'est pour commettre leur vol sans tomber de sommeil eux aussi. Si vous voulez mon avis, il y a quelque chose de bizarre là-dessous. Il faut essayer de les arrêter rapidement. Oui, tu vas prendre ta guitare, Beethoven. On va prévenir la police. Vous deux, pendant ce temps-là, vous empêchez les truands d'agir. Viens, Beethoven. Et Gina, Gina, réveille-toi, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mets ces boules qui est et tu resteras éveillée. Salut. D'accord, mais je vois pas comment des boules qui est peuvent empêcher quelqu'un de dormir. Ah. Hé, le bébé dort. Hé, réveille-toi, le bébé dort. Oh, Anna, tu m'entends? Pourquoi tu fais tout ce bruit? Le bébé a fini par s'endormir. Tu entends ce que je te dis? Le bébé s'est enfin endormi, c'est une bonne nouvelle, non? Maintenant, je comprends pourquoi Verdi m'a donné des boules qui est. Oh oui, génial. Tu as bien de la chance d'en avoir, toi. Mais moi, comment je vais faire? Tu peux me dire? Ah.
Ici le chef de la police, que puis-je faire pour vous? Il s'agit d'un cas d'une extrême urgence. Des martiens ont atterri sur le kiosque à musique. Il faut faire quelque chose. Si vous croyez que je vais retomber dans le panneau, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Certains de mes hommes recherchent des bêtes fauves échappées d'un zoo. D'autres poursuivent des oies sauvages à travers toute la ville. Alors je vous préviens, je ne quitterai pas ce bureau. Je ne bougerai pas d'ici. Bon. Qu'est-ce que c'est encore? Les martiens ont atterri sur le kiosque à musique? Non, chef, mais une bande d'affreux malfaiteurs va endormir tous les gens de la ville en leur jouant une berceuse. Des malfaiteurs avec une berceuse? Vous aussi, vous allez vous endormir? Une berceuse qui vous fait tomber de sommeil. Et ils dévaliseront la ville pendant qu'on fera tous la sieste. Ensuite, ils viendront nous border par la même occasion. Filez d'ici en vitesse avant que je vous fasse jeter dehors. Écoutez, laissez-nous faire une petite démonstration devant vous. Comme ça, vous en aurez la preuve. Hé, les gars, voulez-vous me coller ces pseudo-musiciens à la porte? 1 et 2 et 1, 2, 3. Que se passe-t-il ici, chef? Sortez ces affreux gosses de mon bureau. Venez, et pas d'histoire, espèce de petit vaurien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'avais raison ou pas, d'après vous? Oh non, chef, réveillez-vous, allez! Ça sert à rien, Mozart, il dort profondément. Oh, c'est pas vrai. C'est malin ce qu'on a fait. Les bandits s'apprêtent à dévaliser toute la ville et on trouve pas mieux que d'endormir le chef. Hé, hey, c'est encore ton neveu. Pourquoi tu ne t'occupes pas de lui, hein? Excuse-moi, j'entends pas ce que tu dis. J'ai toujours les boules dans mes oreilles. Complètement que tu râles contre moi, j'enlèverai pas les boules qui est. C'est tellement chouette de ne plus rien entendre. Hé! Regarde! T'as vu ce qui se passe là-bas? On dirait que l'opération berceuse a commencé. Oui, il va falloir empêcher ça à tout prix. Quoi? Dépêche-toi! J'ai rien entendu! Ne les enlève pas, sinon tu vas t'endormir aussi. T'as raison, j'avais oublié. Suivez-moi, dépêchez-vous. Tout est calme à présent, on va pouvoir faire nos courses tranquillement. Allons-y. Ce garçon n'a pas l'air de vouloir dormir, je vais l'aider un peu. Hey! Qu'est-ce que tu dis?
Aussi facile que de piquer des bonbons à un gosse qui dort. Ce que j'apprécie dans les banques modernes, c'est la rapidité de leur service automatique. Le butin est à nous, les gars. Entre là-dedans en vitesse. Qu'est-ce qu'ils viennent dire? Un truc à propos de nouvelles bottes pour les gars. Bon, on va leur donner un coup de main. Hein? Comment? Des fruits et des jouets pour la bande? Je comprends pas, mais alors pas du tout. Ambiance ici. On va jouer un morceau gai et rythmé pour réveiller tout ce joli monde. La plaisanterie musicale de Mozart. Attention, 1 et 2 et 1, 2, 3. Il ne dort pas encore, celui-là. Va falloir que je lui règle son compte. On veut-tu lâcher mon sac? Voler une vieille dame sans défense. Tiens, tu crois ça t'apprendra? Tu sais que c'est pas sympa d'essayer de voler le portefeuille de quelqu'un qui est en train de roupiller. Excusez-moi, mais je suis toujours de mauvaise humeur au réveil. Attendez! Ouvrez cette porte! Cette ville est d'un calme olympien. J'ai vraiment de la chance. Parfois, un génie peut créer des œuvres joyeuses et pleines d'entrain, même lorsqu'il est malheureux, ce qui est le cas pour le morceau intitulé « La plaisanterie musicale » que Mozart écrivit après la mort de son père. Thank you.